Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearts of Iron 4. La guerre va continuer évidemment et maintenant à la fois en Afrique et en Europe avec l'entrée en guerre de l'URSS. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va donner face à cette grande nation. Là le plan est pas tout à fait prêt mais je me dis qu'on a... On n'a pas beaucoup d'adversaires contre nous. Qu'est-ce qu'il en pense? Solide. Ouais, c'est parti. Ouais, honnêtement, je pense que le plan est solide. Ouais, je pense que le Sinaï va être très vite pris. On verra ce que ça donne. Le but, ce serait quand même de libérer ses troupes, de pouvoir les mettre ailleurs. Alors là, par contre, là, il pense que le plan n'est pas du tout solide, d'ailleurs. Alors, il y a le fait aussi qu'il y a des troupes qui sont pas en position, je crois. Alors, bon, ça, j'avoue que je m'en fous un peu. Ouais, bon, je vais continuer, mais honnêtement... On a dépassé le stade où c'était intéressant. Donc, le plan, il en dit quoi? Que c'est de la daube. Supériorité ennemie, ah oui quand même. Certaines divisions pas en position. Ah oui, alors ça je sais pas pourquoi honnêtement. J'avoue que je sais pas trop pourquoi. Bon, on va attendre. Mon débarquement... Alors, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Étant donné que le détroit de Bosphore est actuellement bloqué entre l'est de la mer... Oui, mais alors ça... j'espère que j'arriverai à le débloquer. Demander l'accès militaire. J'espère qu'il va pas falloir attendre qu'il passe fasciste. Les fascistes sont majoritaires, donc aux prochaines élections... Mais c'est dans 2 mois, quoi, donc... S'il faut attendre 2 mois encore, je vais souffrir. Ok, là, tout le monde arrive. Ces 4 troupes-là, on va les transférer en Afrique. Le but, c'est vraiment de finir de prendre l'Afrique, honnêtement. Bon, je sais pas si c'est faisable. Il y a beaucoup de monde en face. Mais si j'arrivais à libérer des troupes pour les ramener en Europe, ce serait le bienvenu, en fait. Là, il faut prendre cette province. Là, je vais... Il faudrait que j'arrive à me débarrasser de ça, sérieux. Le problème, c'est qu'ils sont dans un port. Hein. Donc après, pour les prendre... Pour les prendre, ça va être compliqué. Hein. Parce qu'ils auront du ravitaillement, quoi qu'il arrive. On va continuer à avancer ici. Alors, les 6 ici. Combien de jours encore? Ah, j'ai fini de me préparer, donc maintenant il suffirait que j'amène les navires en fait. On va essayer de nouveau. Je pense que j'ai encore assez d'avions. Patrouiller. Merde. Ok, question avion, je vais quand même vérifier. Il s'agit de pas perdre. Ouais, j'ai quand même laissé du monde. Bombardier naval, ouais, ça m'a l'air bien. Par contre, dans cette zone-là. Ah, peut-être qu'on n'a pas. Peut-être qu'on peut pas couvrir cette zone. Merde. Je vais peut-être remettre, alors, 250, 200, 250. On va... On va changer un peu ça, on va les mettre en Sardaigne.
Alors j'avais surtout des chasseurs. Ok, bombardier naval. Ok. Et j'avais j'avais quoi? Des bombardiers classiques, on va dire. Ouais, je pense. On va attendre. Faut pas que j'attende trop longtemps, hein, parce que mes navires arrivent. Ok, c'est bon, tout le monde est là. On va se remettre là. Ok. Bombardement stratégique, non, c'est clair. Voilà, d'ici, ils ont une bien meilleure couverture. Je pense qu'ils peuvent atteindre, par exemple, beaucoup plus facilement leur objectif. Donc, on va être prêt. Je vais. Alors j'attends que mes troupes arrivent là. Il faut absolument que je les répartisse, c'est pour ça. Je vais les répartir sur le front avant de faire quoi que ce soit. Par contre, il y a un truc que j'ai pas vérifié, ça se passe comment ici? Ah ouais, sauf qu'ils sont en train de. Quand même qu'on aille ici défendre un peu. Ça a l'air d'être des trajets très très longs, bizarrement. On va un peu faire ça à sa place parce que il a pas l'air du tout de faire ce que j'ai envie qu'il fasse. Donc là. Ces unités sont arrivées. Je vais en prendre deux. D'abord, je vais les sortir. Je vais en prendre deux que je vais affecter au groupe violet. Voilà, pour renforcer les divisions. Le front, pardon. Et deux autres que je vais affecter au groupe bleu. Je vais tout de suite 15, voilà. Alors, où il m'attaque là? Franchement, il faudrait que je prenne cette province, hein, c'est pas joli du tout. Ça rallonge le front inutilement et je pense qu'elle est pas du tout en mesure de résister. Ouais, c'est bon. Donc là, on va pouvoir aller là. Celle-là, après, elle ira là, ok. Celle-là, faudrait que. Est-ce qu'il n'y aurait pas des ressources là? Non, c'est trompeur en fait. Ah, peut-être que je vais pouvoir récupérer un petit peu de caoutchouc. J'en ai bien l'impression. Ouais, peut-être. Donc là, je rêve ou j'ai pas réussi à passer malgré mes efforts? On va y retourner. Il me semblait que j'avais attaqué là, non? Ceci dit, j'ai pas l'impression, il n'y a plus personne. Ah si, j'avais attaqué, mais c'est juste que les temps de transfert étant ce qu'ils sont, je suis pas encore arrivé en fait. Ok. Bon, mais j'avance, hein. C'est juste que ça mobilise beaucoup plus de troupes que je n'aurais espéré. Donc là, je vais me défendre sans problème. Et là, je vais passer sans trop de gros problèmes non plus. Ok. Alors, j'ai pas trop regardé, j'avoue, l'état de cette armée ici. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? J'espère que toutes les troupes sont arrivées sur place. On a quand même encore ces troupes qui sont pas sur place. Je sais pas lesquelles c'est. J'en sais rien. Bon. Le débarquement. Il me dit que c'est ok maintenant. Non, pardon. Le débarquement, c'est ok. Donc on va y aller. Soyons fous. On verra ce que ça donne. On va rendre ça à l'Espagne. Hein. Je crois que c'est à l'Espagne.
Il me semble bien. Je crois pas qu'il y ait grand chose à aller chercher hein, sur cette île, mais c'est juste pour enlever un port aux alliés. Peut-être que c'est de là qu'ils font partie leur foutu sous-marin. Et peut-être qu'il y a personne. La chute de Berlin. Non, mais ils sont déjà à Berlin. Ah, les salauds, ils ont fait un débarquement. Et les Allemands n'avaient pas trop prévu. Donc en fait, les Allemands sont comme moi. Hein. Ils sont pas habitués à ce que l'ordinateur joue les débarquements. Non, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais... Je vais envoyer 18 000 hommes. 18 divisions. Ok, donc là, on a déjà fini. Donc c'est parfait. Bon, il reste une petite île là, je sais pas, on va essayer de la prendre. Supériorité de l'ennemi en Italie. Ah putain, ils ont ramené 600 avions. Là, ça fait beaucoup. Alors, comment je fais avec 600 avions, sérieux? Je vais pas réussir à produire, j'en ai perdu beaucoup trop au début de la guerre. Ceux-là, ils vont rentrer chez eux. Je sais pas d'où ils venaient d'ailleurs. S'ils venaient de là, c'est bon. Là, je vais pouvoir arrêter. Ah merde. Ok. Donc les chasseurs, c'est ceux-là hein, qui souffrent. On va en mettre plus. Hein. Je sais pas si j'en ai 600 en réserve, mais je dois pas être loin, hein, ceci dit. Avec tout ce que j'ai enlevé un peu partout. On va voir. Ouais, j'en ai 600. Je crois que je vais même essayer d'en mettre 800. C'est juste histoire de les décourager de venir en Italie. Si c'était possible, évidemment. Parce que là... j'ai l'impression qu'en fait... Ce groupe-là n'est pas en Italie. Ah non, il est en région alpine, celui-là. Merde, ils sont où, les Italiens? Ah, c'est ceux-là. Bon, rectification. Merde, comment on fait pour fermer ça? Voilà. Donc là, on va pas en mettre 600. On va en laisser 200. On va peut-être même en mettre 150. C'est vraiment pour patrouiller... Et c'est là qu'il faut que j'en mette... On va en mettre tout ce qu'on peut. Hein. C'est 1000 le maximum. Et ce que j'ai envie de faire... Alors, il faut que je protège ma flotte qui va rentrer chez elle. Donc, pour l'instant, je la mets à Gênes. Ouais, pour l'instant, je la mets à Gênes. Ok. Eux, ils partiront pour leur offensive sur Malte. Ils partiront de là. Alors, est-ce que mes avions... Je vais regarder si mes avions sont partis correctement. Ah, je crois que j'ai fini des navires, là. Ouais, je suis à 13. En effet, j'ai dû finir un navire. Du coup, j'ai la capacité d'en faire un autre. J'ai envie de faire quelques convois parce que... En fait, on en a quand même perdu pas mal, je trouve. Je vais en faire un nombre infini, on en produit un par mois. Je me demande si on n'arrive pas à une certaine limite, là. J'ai l'impression qu'on en a perdu beaucoup. Donc là, je répare et après, je vais produire
D'accord. Alors, eux, j'ai l'impression qu'ils bougent pas, si c'est bon. Ok, là on va se mettre ici. Est-ce que en Italie on a repris les choses en main? Ah, c'est compliqué. On se bat, il doit y avoir des grosses pertes. Ah, ils ont perdu 167 des bombardiers là. Ouais, c'est bien, hein, faut qu'on les défonce. Donc là, je peux pas faire mon débarquement tant que j'ai pas repris le contrôle. Mon armée, ça donne quoi là? Elle est où? Elle avance. Ok. Alors ici, puisqu'il s'agit quand même d'en venir à bout ici. Non, je vais plutôt aller là, on va les entourer, on va essayer de les avoir. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible. Lui, il va faire un... Oh là, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ok, ça fait un port de plus de prix. Ici, on va pouvoir s'attaquer enfin à eux. Je pense que c'est des troupes des Philippines, hein, si je me trompe pas. Ouais. Ladislo Mabini. Quelles sont nos chances? Nos chances sont bonnes, on va dire. Ouais, on va essayer de passer un peu à l'offensive, mais j'ai peur de me prendre une contre-offensive, quelque chose qui pourrait être violent. Ouais, je pense que ça passe. Là, j'ai pas assez. Hein. Je sais même pas pourquoi il passe pas à l'attaque. Hein. Je pense qu'il pourrait, si vraiment il voulait. Bon, j'ai l'impression que les Russes sont contrôlés là. Donc maintenant, j'aimerais bien passer à l'attaque. Mon général, il a toujours pas le moral. On a toujours la supériorité ennemie. Armée incomplètement préparée. Oui, bon, bah ça. Peut-être que ça va venir. Bah, il chipote, hein. Il y a 2-3 troupes qui sont pas à 50%. Je trouve qu'il est un peu sévère là. Tiens, pourquoi on voit les armées turques? Ah, la Turquie a rejoint l'axe. Ils ont accepté. Ils sont toujours pas fascistes, mais ils nous ont rejoints. Donc là, normalement, si j'ai bien compris, ce qui serait une première. On devrait pouvoir traverser quand même. C'est lui. Nous manquons de renseignements. Oui, bah ça, on va y aller au renseignement. Mais est-ce qu'on a le bon nombre de jours? Oui. Bon, bah il faut que j'amène ma petite flotte, je crois. J'ai pas le choix. Ça va être chaud. J'espère qu'elle va survivre à la traversée. On va déjà l'amener. Non, je pense qu'on va déjà se placer ici. Et est-ce que... Ils nous ont kikine toujours à cet endroit-là. Par contre, je peux enlever mes... Tous mes avions ici, je peux les enlever. Ok. Je vais... Alors, il faut que j'en laisse ici. Non, ici, j'en ai plus besoin non plus. À part pour les bombardements, mais non, je pense que... Il n'y a plus de navire, il n'y a plus rien ici. Hein, donc, je vais les enlever.
Sérieux, je vais pas y arriver. Voilà. Ça va me donner un peu l'occasion de refaire mes groupes. Ici, je peux arrêter pas mal de missions. Ils n'ont pas besoin de faire d'attaque dans les ports, il n'y a pas de port. Par contre, on va faire. Il n'y a pas de troupes non plus, je pense. Donc, soutien aérien, en clair, ça sert à rien. Ça, c'est bon. J'ai juste besoin de chasseurs, quoi. Il m'en faudrait vraiment 1000 ici. Histoire de plomber ces bombardiers. Donc, on va se mettre en Ukraine. Il est urgent de récupérer un semblant de supériorité aérienne. Peut-être pour ça aussi que nos généraux sont pas très optimistes sur notre attaque. Je cherche une base aérienne qui nous donnerait le contrôle. Celui-là a l'air pas mal. Alors, en termes de chasseurs, j'en aurais peut-être pas des masses, mais... Bon, j'en mettrais 250. Par contre, c'est en soutien aérien qu'il va falloir mettre le paquet. Et en bombardier stratégique... Tactique, pardon. Ok. On va laisser ça se faire. Je pense que notre général sera beaucoup plus confiant si on a la domination des airs. Ok. Ok. Nous disions donc cette zone. C'est dans cette zone que le combat va se passer au début. Ouais. Donc on va mettre tout le monde. Ah, lui il n'est pas déployé encore. Ouais, on n'a pas vraiment. Il n'y a pas de chasseurs pour couvrir nos alliés. Je sais pas qui c'est qui a mis des avions. Mais ça sert à rien si on n'a pas le. La base aérienne est saturée. Ah fuck, elle est trop petite. Merde, on va partir ailleurs. Là, on va diminuer à 600. Ok. Alors, on va se mettre là. Y'a personne. C'est bon pour les chasseurs en tout cas. Et pour les bombardiers tactiques. Ok, donc on recommence. Promotion d'un as, tant mieux. Je vais peut-être le mettre là, l'as. Ok, pourquoi je peux pas là? Base aérienne saturée. Oh. C'est quoi ces bases aériennes de balles là? On va supprimer les bombardiers. Là, je vais changer le nombre vite fait. Mettre à 250. Ah, l'annulation en fait doit attendre la fin du déploiement, d'accord. Ça vient ou pas? Ok. Et là, a priori... Ah non, mais je me suis mis exactement au même endroit ou quoi? C'est quoi ce délire? Ah non, ceux, ils viennent d'ailleurs, pardon. Et là, on n'a toujours pas la domination. Pourtant, on a beaucoup plus de chasseurs. Je pense qu'on va la récupérer, la domination, assez rapidement. Et il faut que je me trouve une base pour mes bombardiers. Ah, là, on est trop léger. Ah, je vais les mettre là. Hein. Je sais pas si on pourra couvrir toute la zone, honnêtement. On verra. Et je vais les mettre à bosser ici. Allez, sérieux. C'est long à déployer les bombardiers. Je trouve que c'est beaucoup plus long.
C'est bon là? Voilà. Ok, on va pas bombarder les ports, on s'en fout. Et là, on a vraiment pas la domination en fait. Ah, mais il a ramené beaucoup de chasseurs. Ici, ça se bat toujours autant. Ouais. C'est pas possible, il va pas pouvoir continuer éternellement en perdant autant d'avions. Je vais en enlever, hein. Ok, je vais en mettre 500 ici. Ça va me permettre d'en rajouter. Alors, le problème, c'est que j'ai réparti ça dans tellement de bases que je sais plus du tout où je les ai mis. Non, eux, c'est la mer Noire. Ouais, ils sont là. Je vais mettre tout ce que peut me permettre la base, c'est-à-dire 400. Je pense que je vais les avoir, les 400. Je crois que j'ai assez. Pourquoi 461? Est-ce qu'il y a, quelqu'un d'autre? Ah putain, sauf qu'on les voit pas, quoi. La base aérienne est saturée. Ah, fait chier. Ils utilisent ma base, quoi. Enfin, elle est pas à moi, mais... Faut absolument pas que la base soit saturée, hein. Ça donne un malus de folie, je trouve. Ok. Donc là, on va être prêt. Mes navires sont arrivés vivants au port ou pas? Oh putain. Il n'y a rien de moins sûr. Hein. Ah, si c'est des navires grecs, ça devrait le faire. Si personne ne vient se mêler de notre bataille. Mais pourquoi ils rentrent chez eux là? On va faire rentrer là. Il y en a un qui a quasiment été coulé, c'est peut-être pour ça qu'ils sont repartis. Ah, bordel. Faut que je rentre à un endroit où... Ouais, ici ça me... Non, ce qu'on va faire, on va tout de suite aller patrouiller. C'est un peu chiant. Ma flotte, elle est où? Ici. C'est parti. Ouais, est-ce que là, je vais me faire pilonner? Je crois que j'ai déjà perdu mon gros. Même plus que ça. Ah, putain. Bon, c'est pas grave. Je vous laisse. À demain pour la suite de ce Let's Play.